Et salut à toi qui regarde cette vidéo. Donc la suite de la fameuse mission Sekigahara. Je vais m'installer un peu mieux. Voilà. Alors. Ouais. Est-ce qu'il me semblait qu'il y avait un Kodama dans le coin. Je peux le sniper d'ici. Alors, on va déjà faire ce petit coin là. Pas un autre mec qui traîne là. Que lui. Ah, mais c'est un pote lui. Bah alors, c'est la grosse PLS mon gars. Rentrer là-dedans. Alors, donc là on est sur le truc ici, ok. Ça c'est quoi, c'est un poteau aussi ça? Ah non. Attends pour attaquer là. Ok. Là, je crois que pour continuer à avancer, c'est là qu'il faut aller faire les mecs qui sont postés derrière les barricades. J'ai presque plus de balles. Plus qu'une. Là, ça nous ramène ici. Ok. Toi de la flamme là parce que je la sens mal. Tu vois là c'était une mèche de jeune samouraï quoi par exemple. C'est de l'eau sacrée, c'est pas mal aussi l'eau sacrée. Continuer vers là-bas, on va peut-être faire la première maison là. T'es tout seul toi? Ouais, l'air d'être tout seul.
fous de ma gueule en plus. Est-ce qu'ils vont me voir les mecs qui sont au fond? Pas l'impression. Un tout petit en PLS. Il y a un petit Kodama dans le coin là. Ah ouais, comme ils ont pas pire ma gueule, c'est con. Tous les esprits Kodama, ok, impeccable. Alors, bon, moi je sais que j'ai eu tous les mecs qui viennent de partir, hein, ils sont déjà en PLS quoi. Les gars quoi. Pour aller faire ça, il faut aller tuer ceux qui sont là. Je l'ai fait ça. J'ai un doute là. Mais si c'est là qu'il y avait le Kodama. Ouais. Un peu le bordel hein, ce champ de bataille là. Bon, tu me diras, c'est un champ de bataille quoi. Alors, cette ligne-là, je les ai fait. Donc, il ne me reste plus que cela. Je vais le contrer quoi. Bon, ok. Allez, c'est tombé. Allez, mais allez, arrête avec tes dashs. Hein. Plus qu'un.
Ok. Allez, on... Tabasse pendant que tu fais tes trucs. Espèce de sale con. Tiens. Ah oui, t'attends si t'arrives par le pont là. Ah, il y a un sanctuaire ici aussi. D'accord. Alors, ah, si ça arrive par là, là, au lieu de prendre en face là-bas, là, je te retrouve avec toute cette armada qui te tire dessus, là. Si j'y suis, toi. Ok, donc là, ça me ramène là où j'étais tout à l'heure. Ouais, je les entends qui buffent les autres là-bas, c'est ça. Ok. Là, c'est bon. On a regardé. Bon bah voilà, on a fait le tour. Hein. Ok. Bon bah reste plus que le boss. Hein.
Ok. C'est la grosse PLS. Je crois qu'il faut se buffer juste avant de descendre, je crois. Je sais plus. Ok, bon, je vais prendre le katana parce que c'est un vénère. De lance qu'il a quoi. La lance. Dès qu'il commence à s'énerver avec son esprit là, c'est là qu'il est... Il est vraiment relou. Ouais, voilà. Déjà il te ralentit, et en plus il te met des cartouches de l'enfer. Forcément, il va bien se mettre contre un truc. D'accord. Ah, le bâtard. Ok. Bon, j'ai spammé, hein, mais bon. C'était ça, ou prendre la, l'arme vivante. C'est de bonne tête qu'il a. Mitsunari Tono, Chabos, Kozaishi, Soroban Meijin nado yayu sareru ga, mizukara no hōroku no hanbun de washi o meshikakaeta sono muyokusa, seiren naru yashin ga, washi ni wa nani yori koromashi. Mitsunari ni sugitaru mono to iwarete otta ga. さいごまで武士らしき方向もろくにできぬとは。三成殿こそわしにはすぎたる主君であったが、この首を持っていけ。この首があれば一国一城の主も夢では。 I don't want your head. それ では わし の 気が 治まらん。 ならば あの 槍 では どう じゃ。 You're trying to buy time. まあ あんた が 頼りにしていた侍 も おしまいか。
Et c'est là qu'il va faire le squelette géant. Cette mission aussi, elle est géniale. Après, la dernière mission principale, je crois que c'est quand tu vas dans la montagne, là. Que l'autre, il s'est barré, là, justement, là, Mitsunari. Et tu vas le chercher, elle est bien aussi, celle-là. De toute façon, cette région, elle est excellente, quoi. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'est la meilleure du jeu. J'ai déjà dit, mais voilà, je le répète. Ok. Donc, on a quoi? On a ça, retraite désespérée. Ok, donc là ça va être des humains à affronter. Donc là, bah voilà, c'est le... Ah oui, elle est bien aussi celle-là. Yes. Ok, et du coup, son esprit là, je vais voir un peu. Alors... Augmentation attaque compétence, ça dit pas de combien, mais ok. Réduction de kit de garde 20%, attaque de foudre, ki plus 20, restauration PV pour attaque compétence. Ouais, c'est pas foufou, par contre 22% amélioration d'attaque. En ténacité, il a un B-, c'est pas mal. Hein. Bon, par contre. Restauration D, taux de jauge d'Amrita D. Ça, c'est pas ouf, mais... C'est quand même un bon esprit, quoi. D'autant plus que c'est un esprit de foudre, donc dès que tu fais proc la foudre, ça ralentit l'ennemi. C'est quand même... Et lui, du coup, il faisait quoi, non? Ouais, bon, ouais, ok, dégâts de feu... C'est quoi le dernier truc? Recharge auto, jauge d'Amrita. On critique. Ah ouais, d'accord. Dès que t'es dans le mal, en fait, il te recharge ton truc, ce qui lui permet de s'activer. Ouais. Un bon esprit aussi, quand même, celui-là. Même quand tu passes en arme vivante, il est assez cool. Ok. Ok, ok, ok. Bon. On est à 25 minutes, du coup je vais pas commencer une mission tout de suite. Parce que ça, bon, je vais pas le faire en 5 minutes. Même la mission secondaire là, faut bien 10 minutes je pense pour la faire. Elle est courte celle-là, mais... Ah, il considère 4 épées. D'accord. Ah, c'est peut-être à mon stuff. Je suis niveau combien là sur mon stuff? 92. On va faire ça qui est 105. Et je peux avoir du combien? Il a ça. Ah oui, quand même. Bon, je pense que je vais garder encore pour l'instant. Une ou deux missions de plus, je pense que je referai tout un set, parce que je suis à combien? Je suis à 743 000. Ouais. Je
pense que je referai tout un set. Je suis passé à 39% pour le rare. C'est cool. Pour le rare, pour la rareté. Mais ouais, je vais je vais faire les deux missions secondaires avant de celle-là et puis celle-là là. Avant de recrafter tout un set. Comme ça, je serai prêt pour la mission La Source du Mal. Alors c'est marrant parce que là, il compte 4 épées, là aussi. Alors que là, il m'en met que 2. C'est bizarre. D'autant plus que celle-là, celle-là, elle est pas si difficile que ça, quoi. C'est juste 2 Tengu à affronter en même temps. Si tu te démerdes bien, tu peux arriver à niquer le premier. Bah, t'as un truc au milieu, je sais plus ce que c'est, un rocher, je sais pas quoi. Tu fais le tour et normalement, bon, t'arrives à peu près à gérer les deux, les deux, quoi. T'as 2-3 mobs à tuer avant. Et puis après, c'est le Omibozu, là. Non, c'est pas Omibozu, c'est comment il s'appelle. Le premier boss du jeu. Qui est pas bien difficile non plus. Il fait très mal, mais pas très difficile. Bon, on verra ça de toute façon dans la prochaine vidéo. Ouais, parce qu'en plus, il faut que j'aille faire des trucs et puis après je reprendrai les vidéos. Ok, enfin voilà, bah du coup, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao, bye bye.